Ouf, my God. Hello, bonjour tout le monde. Salut. Bon, c'est vrai, je n'avais pas. Oh, je te rappelle. Salut la team. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour mes loves. Bonjour mes loves. Camilla. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Didi. Ouais, je vais bien, Camille, mon bébé. Je vais bien, mon amour. Je vais bien. Jean-Raymond Momo. Ah, bonjour, bonjour, président. Bonjour, président. J'avais essayé de te joindre par WhatsApp, là. Voilà, donc après ce direct, je t'appelle. Bonjour, le fondateur du Club africain des petits déjeuners. Bonjour, Dieu éternel, mon frère Dieu éternel. Bonjour Père Lenoir, bonjour Marie Klein Gomsi, bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Pourquoi j'ai une question simple, mais qu'est-ce que t'as, mais sérieux? Lynn Flore, bonjour à toi. Oui, je me prépare pour ce samedi, hein, à Paris. L'anniversaire du siècle. Bonjour mon communicateur, bonjour, je suis triste, bonjour Junior Mobutan, bonjour Natacha William, bonjour Cécile A. Voyer, oh pardon, vos noms du village, les... bonjour Néline Duco. Ouais, j'ai manqué ton appel, tu as manqué mon appel. T'es parti comment en bus? Maman, maman, c'est le wattisage, vous voulez voir. Oui, je suis dans un mariage. Maintenant, je suis dans un mariage. J'étais d'abord un mariage dans les montagnes. Maintenant, je suis dans un mariage. Voilà, je suis dans un autre mariage. Je pars de ma Adeline. Eh maman, pour Libo, non, c'est difficile. Hein. Bibi Ange, bonjour. Liberté la sensuelle, bonjour mon bébé. Tu vas te marier au mois de juin, c'est la Sombo. Maman, à Sombo, tu vas te faire le régime pour ton mariage. Hein. Bonjour LBL Jazz, le plus grand don. Le Deido Boy qui apprend au Deido à SAP. La SAP, non, le professeur de la sapologie. Bon, bonjour à tous ceux qui se connectent, qui me voient, mais qui ne peuvent pas commenter. Je respecte, hein, je respecte votre anonymat. Hein. Je respecte ceux qui m'aiment en cachette, hein. Je le respecte. Hein. Ouais, je vous respecte. Bonjour ma PDG canadienne, la seule unique. Hein. Maman, la carte que tu es contente là, comme une fille de 15 ans, la PDG canadienne. Hey, le sourire là, tu as le sourire jusqu'à... Bonjour la PDG canadienne. Demain, je suis à Paris. Voilà, demain, je suis à Paris. J'organise un bon truc au restaurant Le Chalet. Voilà, au restaurant Le Chalet avec la PDG canadienne. Donc, j'arrive demain à Paris à 12h. Le temps de me faire belle, de me faire les ongles, de me faire bien. Et puis, on se fera un bon restaurant. Restaurant Le Chalet. Voilà, restaurant Le Chalet. Voilà, donc je rentre pour toi, hein. Oui. Sinon, mon mariage ici, j'étais en train de signer Gangan. Hein. Je te dis que la PDG canadienne. Donc, attendez. Hé, hey, maman. Hé, hey, hé. Maman, j'ai percé. Maman, le doigt là qui a pris le doigt à sa vie. Aïe. Il a dit que luxe. Luxeuse PDG. Oui. Maman, on a
ajouté mon nom, luxueuse. Maman, mon nom maintenant, c'est luxueuse PDG. Elle dit que bonjour, Elie Jazz et madame. Je ne sais pas prononcer, mais bon. Hey, c'est comment? Je vous manque, non? Les gens ne veulent plus me voir sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà, mon compte Instagram, je ne sais pas si je faisais une manipulation, j'ai supprimé. J'ai supprimé sans m'en rendre compte. Vous ne me voyez plus sur Instagram, non? Pat Kamdem, bonjour à toi, bonjour Jasper Kamdem. Je me suis fait des soins là, j'ai fait des soins de visage là. Voilà. Néline, je coma plus, je dormais. Je sais que tu travailles la nuit, non, maman? Maman, j'ai passé un message hier aux filles qui travaillent dans les hôpitaux. Arrêtez de voler les choses. Arrêtez de rentrer avec tout. Les filles noires qui travaillent dans les hôpitaux, dans les hôtels, elles volent les serviettes, les draps. Même ceux qui travaillent à l'hôpital, là, rentrent avec les draps. Ce qu'on nettoie le sol avec là, le produit du sol ou même les papiers toilettes qu'on a commencé, on n'a pas fini. Et ils rentrent avec un jour, quelqu'un va perdre son travail à cause d'une serviette. C'est vrai que même le blanc vole aussi aux mamans. Vous vous servez jusqu'à vous envoyer au pays. Eh, non. Pardon. Les filles noires qui travaillent dans les hôpitaux, non. Et dans les hôtels. Quand tu rentres chez eux, maman, ils ont les draps. Les draps avec un trait rouge ou bleu. Donc les draps de l'hôpital, non. Ils volent ça. Même quand tu dresses le lit avec ça, ne suffit pas le tout. Hein. Ça reste encore un petit pour que tu tires. Donc ça ne suffit pas le tout. Sur le lit. Ils prennent. Oui, non. Pourquoi? Quand tu rentres chez eux, les filles qui travaillent à l'hôpital là, et chez les personnes âgées, maman, ils rentrent même avec. Et vous rentrez même avec des choses que vous ne connaissez pas comment on utilise. Maman, ils rentrent avec les produits du sol. Le ça sent bon, le lalalang, non pas lalalang, le ça sent bon. Le. Tout non, même ce qu'on. Même le liquide qu'on fait les mains là. Désinfectant des mains. Tout. Non. Maman, un jour vous allez rentrer avec la nourriture de l'hôpital. Non. Je vous confirme. Non, c'est vrai. Vos draps sont que les draps blancs. Mais vous n'achetez pas. C'est les draps blancs de l'hôpital. Vous servez, non, mes cours. On voyait pour la reine, mais pardon. Même les serviettes, vous rentrez, vous voulez les serviettes dans les hôtels. Quand tu rentres chez. Donc, il y a des gens qui ont les serviettes blanches chez eux, ils n'ont rien acheté. Ils ont volé à. Donc, dès qu'ils entrent dans un hôtel, ils volent les serviettes. Hein? Ils en bas, ils mettent dans. Même ce que. Le peignoir, non. Même les chaussures que. Il y a aussi les chaussures dans les grands hôtels qu'on porte là, des pantoufles. On appelle ça que quoi? Il y a des gens qui ont ça chez eux, ils ont type. Ils mettent en bas de la valise. Ils mettent en bas de la valise, ils mettent les habits en haut. Donc, ceux qui volent les serviettes, ils sont que. Quand ils sont peut-être dans un hôtel, peut-être les gars qui sont partis bien. Quand ils sont là, quand tu viens changer les serviettes, donc au début, ils volent une serviette tous les jours. Donc, ils se lavent le premier jour avec une serviette. Et tous les autres serviettes qui arrivent, ils ne changent jamais de serviette. Ils utilisent que la jusqu'à la fin. Ils rentrent chez eux avec le tout, maman. Ne vous inquiétez pas, le blanc a fait l'assurance au vol. Donc même si vous volez tout, ça ne peut pas finir. Le blanc a prévu ça depuis. L'homme blanc avait déjà prévu que vous allez prendre, rentrer chez vous avec. Ce qui fait qu'ils ont mis l'assurance au-dessus de ça. Ne pensez pas qu'ils ne savent pas que vous prenez. Ils sont au courant, mais bon, ils s'en foutent un peu parce que comme il y a déjà l'assurance au-dessus, ça ne fait rien, quoi. Oui. Maman. Eh, hey, pardon, même moi, je n'achète plus. Je prends. excusez-moi. Ah, il est occupé. Je peux avoir un deuxième? Merci. Donc, maman, moi aussi, je rentre avec. Eh, hey, un jouet.
faut faire attention. Un jour, quelqu'un va. On va fouiller quelqu'un à l'entrée d'un hôtel. Pour montrer votre sac. Vous venez avec le sac petit, vous rentrez avec un gros truc comme ça. Heureusement que le blanc est très poli, il ne fouille pas. C'est comment? Ceux qui travaillent dans la sécurité, non. Ils rentrent aussi avec les bruits. En train de quelqu'un qui travaille, un gars qui fait le gardinage, il a tous les t-shirts, il ne paye pas. Il prend, il rentre avec. Et aussi les filles qui travaillent à Carrefour, ils sont caissières, là. Elles rentrent avec les choses périmées. Merci. Quand on veut déjà jeter, elle prend son frigo, a toujours la le poulet, les bruits. Donc, quand on cache une fille noire qui a le blanc de poulet, là, elle ne paye pas. Est-ce que les noirs aiment le blanc? Elle ramasse quand on dit derrière que demain ça se périme, elle rentre avec. Elle partage. D'autres envoient même les choses au pays, maman. Vous envoyez même les way que vous avez tif. Et avant, tu pouvais entrer au magasin ici le midi comme ça. Je ne payais pas. J'entrais à Carrefour, mangeais ce que je veux, sors. On n'arrêtait pas les gens, tu suces les raisins, donc tu fais, je vous donne la pitch. Quand tu veux, tu entres à Carrefour, quand tu prends à la peser, tu pèses d'abord tes fruits, tu mets le ticket, maintenant tu ajoutes, tu attaches, tu mets dans le panier. Donc, tu pèses, tu fais la peser d'un kilo, tu ajoutes encore un kilo. Mais maintenant là, quand tu arrives à la caisse, quand on suspecte que tous... Non, vous exagérez. Quand on suspecte que, attends, tout ça c'est 1 kilo, on voit ça a l'air de 5 kilos. Il pèse encore, il repèse encore. Ils disent que madame, oui, c'est vrai. Non, pour tif, tu payes quand même. Moi, avant, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 24 ans, j'entrais à Carrefour, le midi, je fais comme si je vais acheter, prends les raisins. Je marche un peu rayon, je chope ça bien, je jette ça entre les... Donc, je prends rayon fruit, tu me retrouves rayon conserve. Je mange, je jette ça, je tourne, je prends le sandwich, je chope. Donc, ne mange pas comme si tu volais, Marco. Tu manges le genre que tout le monde te voit, genre tu vas payer en caisse. Donc, quand tu tipes pour manger, quand tu prends le vol du magasin, chop. Ne fais pas comme si tu avais peur. Mange au roi, on te voit. Tu ouvres ta canette. Ouais, bébé, je te rappelle mon cœur. Oh. Donc, quand tu tipes au magasin, tu ouvres bien ton coca, tu prends ton sandwich. Donc, tu fais comme. Ne te cache pas, si tu te caches, on va savoir. Donc tu manges Hora, tu bois ton, tu ouvres ta canette, tu bois, tu manges, tu mets ça dans ton panier, déjà tu vas arriver en caisse. Quand tu arrives en caisse, tu ne payes pas, tu payes que ce que... Mais si on t'a vu, on va dire que tu payais. Donc quand tu arrives à côté de la caisse, tu changes de panier, tu jettes ça en bas, tu mets tout sur le... Mais l'autre là, tu ne mets pas. Quand tu arrives à manger, on va te sortir ça dans le ventre. Même les croissants, une maman à Lidl, j'aime les croissants de Lidl jusqu'à. Ouais, maman, oh, les croissants de Lidl, même le pain au chocolat de Lidl, c'est trop bon. Il y a bien le bleu. Comme tu te sers seul à Lidl, non. Marco, comme à Lidl, non. Tu te sers seul. Donc tu prends, non. Marco, j'aime aussi les chaussons aux pommes. Tu prends, non, Marco. Tu mets. Maintenant, tu commences à mâcher nos macos. Je mâche mes saucissons secs. Maco, saucissons secs qui est. Les saucissons secs là, non. Maco, je prends ça, je pèse ça. Je mange, je fais tout. Aïe, maman, oui, aïe. Tu as la volée, tu manges jusqu'à ça te cale ici, Marco. Donc, il faut que tu boives l'eau, tu descends, tu tapes. Marco, quand tu manges vite, non, ça fait mal ici. Tu...
Non, franchement, hein. Quoi? Tu manges cette cale-là. Je n'aime pas les gâteaux. Moi, je n'aime pas le blanc du poulet parce que quand tu mets cette cale ici, tu manges ça, Marco. Tu manges ça. Tu tapes la porte, tu bois. Tu bois l'eau. Le whisky, c'est pas trop le truc. Pardon, attendez, je mets un peu de coco. Marco, tu bois. Comment? Mais choco chaud, vous ne pouvez pas, c'est le Camerounais. Oh, pardon, parle de dengue, parle de choco chaud, maman. Oh, fais la montre, arrête, on te. Hey, pardon, ne te souille pas, pardon. On parle de dengue, on s'en fout. Moi, quand j'entre dans un magasin, ça sonne et je tremble parce que moi, je suis. Hey, j'ai trop peur. Maman, je vous ai annoncé la bonne nouvelle. Il y a une fan qui m'a acheté une voiture. Une fan m'a offert une voiture. Je ne donnerai pas son nom parce qu'elle préfère rester anonymat. Donc, il y a une fan qui m'a offert une voiture, une Citroën C3. Elle me l'a offert. Donc, je vais aller chercher ça. Je vais aller pour faire les papiers lundi. Une fan. Facebook a payé pour moi. Même si on me signale partout, même sur Instagram, je ne suis même plus là-bas. Ma pa a payé, ma Stamania a payé, sans vous mentir. Une star m'a payé la voiture. Citroën C3. La couleur des champs. Couleur rouge, bordeaux. J'ai percé. Donc, je voudrais lui dire merci. Merci beaucoup pour la voiture. Parce qu'elle a dit, une PDG ne peut pas rouler, ne peut pas marcher à pied. Elle m'a offert la voiture. C'est une voiture d'occasion. Oui. Mais je le remercie parce qu'elle a quand même payé à 3 400 € la voiture. Donc je vais ramener mon permis que j'ai avec moi. Je marche avec mon permis. Il est là mon permis. Je vais ramener mon permis. Je vais aller chercher. Donc après Paris, je vais partir de Paris dimanche. Donc l'anniversaire, c'est pour ça que je vais voir la PDG canadienne demain vendredi. Et samedi, on se rejoint encore à l'anniversaire de l'Extravagancia. Et puis après dimanche, je vais devoir partir de Paris parce que je vais aller chercher la voiture. Ça, c'est mon permis. Mon permis de conduire qui est là. Je ne veux pas trop que vous filmez mon permis. Mon permis de conduire qui est là. Qui est là, mon permis de conduire. Donc, je vais aller faire les papiers de la voiture. Je vais aller faire les papiers de la voiture. Partir dimanche, comme ça, je vais dormir dans la ville. Et lundi, je fais les papiers de la voiture. Je vais faire la carte grise et tout. C'est que maintenant, les cartes grises sont faites dans le tabac. Ce n'est plus à la préfecture. Quelqu'un dit, je veux l'adresse où tu achètes, vous achetez vos vêtements. Bon, moi, j'achète les vêtements, enfin, les habits de sortie. Je porte aussi les chinoiseries. Hein. Tout le monde mélange en même. Donc, je porte aussi les chinoiseries. Je m'habille un peu partout. Hein. Bon. Quand je vais sortir, je vais à la rue d'Abouki. J'achète les robes là-bas. 300 €, 250, 400, 500, 600, 700. Ça dépend de la soirée. Mais j'ai décidé de ne plus dépasser 300 €. Je ne peux plus jamais mettre plus de 300 €. Parce que je porte qu'une fois. Je porte les vêtements là qu'une seule fois. Non, moi, c'est le nouveau permis. Hein. C'est pas rose, c'est la carte. C'est comme la carte de séjour. Donc, qu'est-ce que je t'en peux vous dire? Je vous disais que quelqu'un me dit que tu achètes tes vêtements. Ou mes vêtements de sortie, ça dépend. J'achète à la rue d'Abouki. Il y a aussi des magasins à Lille. Hein, on appelle le magasin Gala. Ça fait des vêtements de soirée. De là-bas, pour acheter une robe, il faut avoir au moins minimum 300 €. Et moi, les vêtements, je les porte une fois. Donc, j'ai décidé de ne plus payer une tenue plus de 300 €. Jamais de la vie. Donc, voilà quoi. J'ai décidé de ne plus acheter un vêtement à plus de 300 €. Bon, ça dépend hein, de la soirée que j'ai. Par exemple, la soirée de Graf Décart. Il y a une soirée là. J'ai un fan qui a une boutique de vêtements. Elle m'a déjà envoyé ma robe pour la soirée, pour l'anniversaire de Linda ce samedi. Elle m'a déjà envoyé ma robe de soirée qui est arrivée.
par la poste chez Dieu éternel, il y a Vanessa Pan qui m'a envoyé une perruque. Moi, on me donne presque tout. Hein. Moi, on me donne tout. Après, pour s'habiller, il ne faut pas forcément mettre cher. Il faut déjà connaître son corps, sa morphologie. Et bah, écoute, tout le monde mélange, hein, ma chérie. Après, tu portes ce qui est trop cher, que c'est trop bien, non. On pas à Zara, nous ne sommes pas à Zara. H&M, ça dépend. Mango, avant j'entrais à Mango, avant. Et on part partout, hein, tout le monde, nous tous on mélange, voilà. On mélange nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui mélange pas. Mm-hmm. Voilà. Tous on mélange, tout le monde mélange. Hein? Donc ceux qui racontent qu'ils ne mélangent, tout le monde mélange. Donc Vanessa Pan qui m'a envoyé une belle perruque encore. Hein. Ça fait la deuxième perruque qu'elle m'envoie. Merci beaucoup à toi, Vanessa Pan. J'ai une fan qui a une boutique de vêtements. Elle s'appelle Tatiana. Tatiana, oui. Tatiana Shop. Shopping. Elle m'envoie une tenue pour l'anniversaire. Et chaque soirée, en fait, elle a décidé de m'envoyer à chaque soirée une tenue. Donc, chaque fois que je fais une sortie, elle m'envoie une tenue. Donc j'ai déjà ma tenue pour Grâce des Cas que j'ai choisi. Grâce des Cas qui sera en Suisse, qui est déjà à Paris. Grâce des Cas est déjà à Paris. Et voilà, j'ai déjà choisi ma tenue pour Grâce des Cas. Donc tout ce que j'achète, c'est les chaussures. Bon, les chaussures, on ne voit pas. Parfois, ils portent mes chaussures même 5 fois. Franchement, les chaussures, on manage. Puisque je porte les robes qui sont longues, ce qui fait que forcément, on ne voit pas la chaussure. Mais je porte souvent les mêmes chaussures. Hein. Bon, j'ai beaucoup de chaussures, mais je porte celle qui me fait pas mal aux pieds. Donc, je profite pour vous donner mes, les prochaines soirées. Donc, ce samedi à Paris, j'ai l'anniversaire de Extravagancia, la tuineuse. Ensuite, le 10, je suis en Suisse à Vienne avec Grâce des Cas, la diva Grâce des Cas qui est déjà sur Paris. Voilà, je vous invite à être nombreux à cette soirée. C'est une soirée chic et glamour. Chic et glamour, parce que moi, j'ai comme impression qu'il y a souvent des filles qu'on parle de chic et glamour. Elle vient avec le collant. Respectez souvent l'artiste. Habillez-vous souvent à l'image. Mettez-vous souvent à l'image de l'artiste. Vous comprenez? Mettez-vous souvent à l'image de l'artiste. On ne peut pas faire une soirée comme Grâce des Cas, une diva. Son cachet, c'est minimum 5000 euros. Tu viens à une soirée habillée, on dirait que tu pars au champ. Non, tu ne pars pas au champ, tu pars à une soirée. Donc les filles là, apprenez à être un peu mieux que ça. Hmm? 100, 160. Et puis, ma faut peut remettre mon argent. Je ne sais pas ce que tu veux me dire là. Ah bref. Donc ensuite, en Autriche, hein, je vous parle du mois de mois de février. Dans la soirée de Saint-Valentin en Suisse, à Vienne, avec Grâce des Cas, la diva Grâce des Cas, la seule artiste camerounaise qui ne chante pas les fesses. Elle n'est pas dans le tourne-tourne du cul. Elle se respecte, digne d'une fille sawa. Hmm? Donc, le 10. Ensuite, le 17, je suis en Autriche. Le 17 février, je suis en Autriche pour la Saint-Valentin. En Autriche, avec l'artiste... Amazon, le 17 en Autriche. Hein. Ensuite, au mois de mars, je suis à Paris pour le 8 mars. Je suis au mois de mars. Le 3, je suis au Canada, à Montréal. Dans le 3 mars, je suis à Montréal, au Canada. Voilà, pour la journée internationale de la femme. J'arriverai au Canada le 2, pour la soirée le 3. Je serai de retour à Paris le 5. Ensuite, à Bruxelles, j'ai la soirée le 8 mars à Bruxelles, dans un restaurant qui organise le 8 mars. Ensuite, le 10 mars, je suis à Paris. Voilà, je suis à Paris avec le roi Polo et tout. Voilà, je vais continuer à vous donner mon programme. Et n'oubliez pas la grande soirée qui s'organise par Lika Mobile, le sponsor officiel, à Las Vegas, pour moi, la reine-mère. Donc, Lika Mobile a décidé de sponsoriser mon voyage à Las Vegas parce que je le mérite. Oui, Tania Shop, merci beaucoup de me rectifier. Donc n'oubliez pas au mois d'août, hein, Lika Mobile qui a décidé de faire un événement à Las Vegas pour moi. Voilà, un événement à Las Vegas et tout. Donc je remercie Lika Mobile et je remercie le manager. Hein,
qui, voilà, mon manager, Angel Kenneth Production, qui est au Texas. Voilà, la première qui m'a fait venir au Texas. Donc, merci à toi, Angel Kenneth Production, qui, voilà, qui prépare mon arrivée. J'aurai une tournée aux États-Unis au mois d'août. Donc, j'espère avoir peut-être deux soirées avant la soirée finale à Las Vegas. Voilà, vous avez mon programme. Je continue à vous donner, voilà, je continue à vous donner au fur et à mesure. Voilà, merci pour tous ceux qui sont avec moi, pour tous ceux qui me soutiennent. Voilà, merci pour tous ceux qui ont appris à me connaître et me comprendre. Voilà, on ne peut pas tous aimer une personne dans la vie. Hein. Merci pour tous ceux qui ont fait Mastermania. Je remercie infiniment mes détracteurs qui m'ont fait connaître. Oui, merci aussi à mes détracteurs parce que dans la vie, je vais vous dire, la Stamania, c'est qu'il faut avoir aussi les gens qui te combattent. Plus ils te combattent, plus ils te font connaître. C'est ça la Stamania. Vous voyez souvent les journaux là, people là, il y a des stars qui font les way. Ils appellent, on les filme, ils font comme si c'était en cachette alors qu'ils ont organisé. Il faut savoir que je suis une actrice. Je peux me faire regarder sans crier. J'ai des piches, je suis une créative. Hein? Voilà, donc je vais devoir vous laisser. Merci encore à la PDG canadienne qui est à Paris, qui est là à Paris. On va organiser voilà, la soirée au Canada ensemble. Merci aux messieurs de la Belgique qui m'a contacté hier. Merci à l'organisatrice de Paris, voilà, du 10 mars. Le 10 mars avec Tata Doudou Ngamba, le roi Polo, plein d'autres artistes. Merci beaucoup à vous. Voilà, on est ensemble. Hein. On est ensemble. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Voilà, j'ai aussi une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Je suis très heureuse parce que je suis à nouveau grand-mère. Et je suis fière de l'être. Voilà. J'ai une de mes filles qui m'a donné un enfant. L'enfant est né hier. Ceux qui sont en mon contact réel, vous avez vu sur WhatsApp, c'est la photo de cet enfant-là. Donc, je suis à nouveau grand-mère. L'enfant pèse 4 kg 500. Je suis fière d'être grand-mère à mon jeune âge. Avant, je pensais que ça faisait un peu honte quand mon fils m'avait annoncé, maman, j'avais un peu honte. Mais je suis fière d'être une grand-mère parce que voilà, c'est une chance d'être une grand-mère. Voilà. Qui veut m'appeler là? Oh là 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 là. Bébé, je te rappelle. Je te rappelle, chérie. Donc, au final, merci aussi à ma team. Merci beaucoup. Parce que c'est grâce à vous, grâce à mes détracteurs aussi, que je me suis fait connaître aussi. Si je suis internationale, connue partout dans le monde. Parce que plus mes détracteurs me clashent, plus les gens viennent me défendre, plus et c'est ça, je me fais connaître en fait. Vous voyez, quand mes détracteurs sont calmes, qui ne parlent pas de moi, ça m'énerve. Quand je mets play, que on a compte, je mets play là. Il faut faire les vidéos pour parler de Fleur de Lys. Je veux manger, vous allez toujours vous allier comme les Dalton. Voilà comment on fait la voiture. C'est moi qui prends les avions dans le monde. Je fais les plus grands hôtels de ce monde. J'étais dans l'un des pays les plus bien du monde. Que vous avez vu, c'était mon anniversaire. C'est quelqu'un qui a organisé mon anniversaire, Josephine Bayan. Elle a organisé mon anniversaire. Donnez-moi encore le pays. À Singapour, mon anniversaire était organisé à Singapour, dans l'un des plus grands hôtels de la ville. Parce que c'est quelqu'un qui a décidé de me l'organiser. Merci à la reine, merci à la puissante Josephine Bayon qui est en Angleterre. Normalement, je devais être pour passer un week-end avec elle. Je devais partir en Angleterre, là, passer 2 jours avec elle. Mais comme j'ai déjà un week-end qui est trop chargé, je vais remettre ça la prochaine. Et rendez-vous en Australie avec la reine mère. Oui, je suis fait pour être ce que je suis. Personne ne peut marcher sur ma stamania parce que c'est Dieu qui décide. Depuis que les autres crient, racontent, Fleur de Lys lesbienne, Fleur de Lys pute. Fleur de Lys, tu es lesbienne. Vous m'avez traité de lesbienne. Depuis me traiter de lesbienne, que comment je suis lesbienne, vous m'avez traité de prostituée, vous m'avez traité de vendeuse de drogue, vous m'avez traité de tout. Vous m'avez clashé de tout. Mais je l'assume. J'accepte tous les noms que vous me donnez. Vous allez continuer à marcher derrière mon cul, à me jalouser.
J'ai pas envie de vous dire que je vous dépasse parce que c'est Dieu qui donne chacun ce qu'il mérite. Je voulais juste vous dire que les 10 doigts ne sont pas pareils. Vous allez crier, taper la poitrine pour finir, vous allez aller vous asseoir au quartier. Flor Delis sera toujours là. Vous ne pouvez pas prendre ce que Dieu... Moi, je ne suis pas une inventeuse. Je suis réelle, je suis vraie. Or, vous, vous faites des faux trucs. C'est-à-dire que vous venez tout montrer que vous êtes trop bien alors que vous souffrez comme tout le monde. Or, les gens m'aiment pour ce que je suis. Mes défauts et mes qualités. Les gens m'aiment pour ça. Je n'ai pas besoin de venir me faire prendre pour la riche. Comme les fausses filles de Instagram, de Facebook. Vous passez votre temps à porter les Louboutins. Les fausses Louboutins qui font mal aux pieds là. Vous faites la riche alors que vous souffrez. Vous êtes incapable de donner même un bonbon à une personne de vos familles. Vous vous faites passer pour des milliardaires alors que vous souffrez. Parce que moi, je ne peux pas... Samuel Eto'o est bien. On voit ça sur ses frères. Samuel Eto'o a les moyens. Juste un peu moins fort. D'accord, merci. Donc, Samuel et tout, il est bien et sa famille est bien, vous voyez un peu. Et si moi, je suis bien, ma famille sera bien. Vous avez vu, non. Donc, je ne peux pas. Parce que quand je vois les filles sur Facebook qui disent qu'elles sont trop riches là, mais quand tu fais le. Tu vois comment leur famille souffre. Ça fait mal, ça fait rigoler parce que hein, moi, je ne peux pas être une milliardaire. Et ma soeur se tape le camion. Ma soeur discute les clients de 20 euros, 30 euros dans le camion. Ça n'a pas de sens. Si une fille traîne avec les milliardaires, trouve les milliardaires à ta famille. Tu ne peux pas dire que tu es bien, machin. Trouve aussi les hommes riches à tes soeurs. Oui, c'est ça quand même que les gens ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que tu ne peux pas venir sur la toile condamner ce que les membres de ta famille font. Tu condamnes le métier que toi-même tu fais. Ta famille, tes frères, tes soeurs, ta mère. Chacun est libre de faire sa vie. Donc, occupez-vous de vos plantes, organisez votre life, essayez de donner, du plaisir aux gens. Moi, je donne le sourire aux gens. Oui, quand je me lève, je donne le sourire. Quand je ne suis pas là, les gens me cherchent. Et c'est une grâce. On ne cherche pas tout le monde. C'est parce que c'est une grâce. Une grâce que on me cherche. Sur Instagram, toutes les filles ont les belles voitures, toutes les filles sont riches, toutes les filles sont ceci. Alors que c'est du pipeau. C'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Oui. Ouais. Ouais, je suis disponible dans 10 minutes. Dans 10 minutes, merci. Au revoir. Merci à tous ceux qui sont avec moi. Je veux aussi souhaiter bon voyage à maman Béatrice. À Béatrice Yopa, la vendeuse de Johnson qui sera à Paris. Elle est partie du Cameroun. Elle part ce soir du Cameroun. Et elle arrive à Paris demain avec le Johnson, tout ce que vous voulez, les pagnes du 8 mars et tout et tout. Donc, bienvenue à bon voyage à Béatrice Yopa. Bon voyage à toi. Bienvenue à Paris. On se verra. Voilà, c'est sûr. On se verra. Tu es là pour un bon moment. Donc, on trouvera le temps pour se voir. Même si ce n'est pas tout de suite ce week-end, on se verra une autre fois. Je voudrais dire à tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui me voient, je suis une femme très occupée en fait. Je suis très occupée, j'ai mes occupations comme vous avez vos occupations. Donc ce qui fait que de temps en temps, surtout que je décide que 2018 c'est une année où je ne peux plus perdre le temps parce que j'ai trop perdu le temps sur la toile gratuitement pour rien. Voilà, donc je ne peux plus être en permanence sur la toile. Vous me verrez quand même demain parce que demain si je suis avec la PDG canadienne. Restaurant où vous nous verrez en direct, ainsi que le samedi, c'est l'anniversaire d'Extravagancia, vous nous verrez aussi.
Et après ça, je vais d'abord disparaître encore. J'ai mes occupations, en fait. Je peux pas passer toute ma vie sur Facebook comme ça, à crier en longueur de journée. J'ai perdu des années et c'est Dieu seul qui sait quoi. 4 ans, c'est pas 4 jours. Comme ça, à tout le temps, à faire des vidéos, machin, tout ça, c'est... Voilà quoi, quand je vois tout le temps que j'ai passé sur la toile, ça, parfois ça me fait mal, mais quand je regarde le nombre de personnes qui m'aiment, ça me fait aussi du bien en même temps. Depuis 2015. Donc vraiment, sans vous mentir, je peux plus. C'est bon là, c'est bon là. C'est pour ça que, franchement, vous me manquez. Hein. Mais c'est la vie, vous deviez comprendre. Je suis en train de faire mon sevrage de la toile. Je veux partir tout doucement. Quand je finis de remplir tous mes contrats, parce que j'ai déjà pris des avances, parce que j'ai déjà donné ma parole, je vais commencer à disparaître hein, tout doucement. Parce que Facebook, pour moi, oui, aujourd'hui, c'est bien. Je gagne de temps en temps, mais c'est un perdant. Ça ne profite pas. Ça donne des ennemis. Ça donne les ennemis. Heureusement que, bon, quand on dit que ça crée les ennemis, moi, je ne suis pas venue chercher les problèmes. Ce sont les gens qui m'ont cherché les problèmes et je me suis défendue. Voilà, ça crée des ennemis sur Facebook. Facebook, ça crée beaucoup d'ennemis. Parfois, tu manges ta nourriture comme ça. Les gens, quelqu'un qui a faim, qui n'a rien mangé depuis le matin, ça l'énerve pour rien. Sur Facebook, si tu bois ton verre, ça énerve quelqu'un. Les gens sont jaloux pour rien. Pour rien. Quelqu'un est jaloux. Je suis assise, je suis là. J'ai déjà payé, monsieur, il a bu 2 verres là. C'est moi qui vais payer, mais les gens sont là, ils regardent, ils sont jaloux. La toile, les gens sont jaloux pour une. Tu mets ton chantier, ils sont jaloux parce qu'il y a des gens. Et moi, je vais dire aux gens qui mettent les chantiers sur Facebook. Vous savez, les filles, sans vous mentir, on ne met pas un chantier, la fondation d'un chantier sur la toile. On met sa maison quand on a déjà réalisé bien, quand on a même des ateliers. On peut dire à ses amis, oui. Quand tu viens sur la toile, tu mets seulement, tu mets par exemple la fondation que tu es en train de commencer. Les gens vont te faire la jalousie, te déstabiliser, tu abandonnes ton chantier. Les gens sont mauvais. Les gens sont trop mauvais. Il y a les gens en Europe, je ne vous mens pas, ils mangent la nourriture africaine seulement quand ils vont au pays. Parce que pour eux, ça coûte trop cher. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc quand ils te voient tous les jours, tu manges ton dolé aujourd'hui, demain tu manges telle chose. Demain, ça les choque. Les gens qui te regardent te détestent pour rien. Ils ne te connaissent pas. Hein. Ils te détestent pour rien. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui te détestent seulement parce que tu es dans la joie de vivre. Parce qu'on te voit, tu es en train de profiter avec tes amis, ça les énerve. Mmh. Ça les énerve pour rien. Il y a des gens qui jalouse tout et rien. Quand tu vois, tu as fait ton direct, dis que oui, pourquoi elle aime le direct comme ça? Mais c'est votre connexion qui fait le direct. Si quelqu'un est libre, s'il veut, quand quelqu'un suit à toi, s'il veut, il fait 100 millions de directs par jour, c'est son projet, c'est son temps. Quand il va réaliser qu'il a perdu le temps sur Facebook, c'est lui-même qui va dire que hey, donc je gesticule, je perds mon temps. Parce que quand quelqu'un te fait sa vidéo, si vous dites que oui, tel aime trop faire les vidéos, pourquoi il gesticule sur la toile? Comment? C'est votre connexion, non. Vous dites que oui, regarde la vieille mère là, elle gesticule comme un enfant. Arrêtez. Si elle veut gesticuler comme un enfant, elle gesticule comme un enfant. Si elle veut jouir, elle jouit. Où est le problème? Moi, personnellement, je ne suis pas une critiqueuse. Je ne suis pas une donneuse de leçons. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa life. Quand quelqu'un prend son portable, il met. Hein? C'est lui-même. Il sait comment il a mis sa connexion. Si une femme mariée sur Facebook, on la voit faire les directs matin, midi, soir, c'est pas vous son mari pour dire que, ouais, comment une femme mariée. Gérez vos ménages, ce qui. Donc, gérez pour vous sur vous. Laissez les autres gérer le leur. Vous voyez une personne sur Facebook qui fait ses vidéos en joie, vous dites que oui, comment une femme mariée peut faire comme ça sur la toile. Toi-même là qui dis ça, toi-même tu es mariée, mais tu regardes. Il faut aussi dire que pourquoi une femme mariée peut regarder Facebook. Vous ne voyez pas que vous regardez aussi trop Facebook là. Les mêmes qui disent que non, on ne fait pas les donneurs de leçons là. Ce sont eux qui regardent plus que tout le monde. Mais quand tu vois, non, je n'aime pas Facebook. Hein. Je n'aime pas. Ouais, pourquoi tu l'aider à sur Facebook comme ça? Ouais, pourquoi LBA Jazz dit ça? Mais toujours qu'il est bien habillé comme ça. Mais il met qu'il est bien habillé parce que d'autres personnes copient. Il y a des gens qui vont voir, ils vont copier, vont aller faire aussi la même chose, ils vont s'habiller comme ça. Arrêtez de voir les gens trop présents à mon tête.
post Facebook. Oh, j'avoue un modèle post Facebook. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Que plaisir à mon soir beaucoup sur Facebook. Que j'avoue ça beaucoup sur Facebook. Que Nathalie Babale soit sur lui. Que la reine galloise soit sur lui. Que ta faux. Que ce soit mini mineur. Que ce soit XY. Ce n'est pas votre connexion. Ce n'est pas vous qui mettez la connexion. Ce n'est pas vous qui gérez leurs enfants. Oh, comment plaisir à mon mère à ses enfants sur Facebook. Ce n'est pas vos enfants. Ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. C'est quelqu'un. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les Africains sont bornés comme ça. Ou président Maudit met à tous ses enfants sur la toile. Mais vous dites bien ses enfants, parce que ses enfants, c'est lui le père. Et c'est Jaguar la mère. En quoi ça vous regarde? Si vous n'êtes pas épanoui avec vos enfants, si vous ne jouez pas avec vos enfants, c'est votre problème. Copiez plutôt au lieu de critiquer. Au lieu de copier plutôt l'exemple que ah, voilà, monsieur, il fait le sport avec ses enfants, il joue avec ses enfants. Parce qu'en Europe, les enfants ont besoin de s'épanouir, pas seulement en Europe. Nous ne sommes plus dans les temps anciens comme nos parents d'avant, là, que quand le père arrive sur la table, on te chasse. Quand le père arrive, le père mange. En Afrique, les enfants, avant, les enfants ne mangent pas avec les parents sur la même table, non? Quand le père est sur la table, tout le monde fuit dans la chambre. Quand on entend seulement la mère qui met l'assiette, parce que quand le père, en Afrique, quand le père rentre du boulot, il prend sa douche et il va s'asseoir sur la table. Les parents en Afrique ne discutent pas avec leurs enfants. Bon, je parle de nos parents d'avant. Nos parents d'avant n'ont jamais discuté avec nous, qu'ils parlent avec nous. Quand ton père rentre, rien que la façon qu'il ouvre la porte, quand ils sonnent, ça t'aime. Donc ils sont brûlés avec la force. Une fois qu'on dit que je suis là, c'est moi le chef. Chacun disparaît dans la chambre. On entend seulement ces bruits qu'il fait. On sait que quand il va finir de manger, il va aller se coucher. Quand le père arrive, il fait le bruit un peu là, les assiettes, il mange. Dès qu'il se lève de la table, nous-mêmes, on connaît qu'il est derrière, il est puis sur la table. C'est où chacun sort de son couloir, on discute pour aller prendre l'assiette. C'est une éducation, ça. Nos parents nous ont éduqués à la dure. Aujourd'hui, là, ce n'est plus le genre d'éducation, là. Nos parents nous ont éduqués que. Mais attends, dans l'intimidation totale, ce sont les parents qui ont fait le maquis. Nos parents sont les parents qui ont fait la guerre, ils ont fait le maquis, ils ont connu beaucoup de traumatismes aussi. C'est fait que nos parents ne jouent pas avec nous, ils n'ont pas joué avec nous. Hein? Quand je vois même les gens d'aujourd'hui, tu vois une fille aujourd'hui, elle va aller présenter même 5 gars à ses parents. Mais c'est honteux. C'est tout simplement honteux. Comment veux-tu que ton gars te respecte? Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, lundi, mardi, tu regardes mon gars ta mère. Après, tu reviens et dis que non, je ne suis plus avec. Tu montes déjà l'autre. Ça, c'est la pute en famille. Ça, c'est la prostitution familiale, même que tout le quartier voit que tu es une pute avec la complicité de tes parents. Peut-être que vous ne connaissez pas la définition d'une pute. Une pute, c'est celle qui change des hommes tout le temps, qui n'a pas un seul gars. C'est comme ça que tu vois, quand il arrive, on va acheter la jeunesse, on donne à la mère, elle boit. On achète pour le père. Le gars corrompt qui avait la bière. Demain, la fille n'est plus avec. Elle la ramène encore l'autre. Non, ça, c'est la saleté. Un vrai parent ne peut jamais accepter que son enfant lui ramène le gars aujourd'hui. Après demain, un autre. Après demain, encore un autre gars. C'est la honte. Peut-être que vous croyez que vous êtes trop belle. C'est pour ça que vous faites le tour chez vous avec les hommes. Non. C'est parce que vous êtes des chiennes, vous êtes des prostituées. Des prostituées, une pute, c'est pas celle qui se met en route. Je préfère même celle qui part. On lui donne les dos en main, comme ça. Que une qui se fait passer pour une vraie fille, alors que c'est une racaille que on binda derrière les escaliers partout. Elle fait la pute devant sa famille. Oui. Je préfère une pute qui fait la pute en cachette. Une pute en cachette, qu'elle fait sa pute. Avec ses gars, elle a ses 50 gars, elle n'a même personne chez eux. Que une chienne, une salope, que tous les week-ends tu la vois, mon gars va venir à la maison, on prépare pour l'attendre, alors que c'est un faux gars. Mais... voyez, il faut respecter vos parents, les filles. Oui, faut pas, c'est pas bien. Vous voyez, non. Bonjour.
Mais félicitations à un faux profil qui a accouché. Mais félicitations à un faux profil. Je vous ai toujours dit que être FP, c'est quelque chose qu'on doit rester anonyme. La seule personne chez qui vous devez dévoiler vos faux profils, c'est moi. Parce que même si on met le couteau sur la gorge, je ne serai jamais tel, c'est tel. Donc, mes félicitations à un faux profil qui a accouché. Même entre vous, les FP, il faut se méfier de vous. Hein. Pas parce qu'un FP parle trop de l'autre que tu vas aller là-bas donner ton identité. Tu donnes ton identité que tu connais où. Tu ne donnes pas, tu n'envoies pas tes photos. Tu dis que c'est moi ici. Non, parce que les photos que la personne t'envoie, c'est sûr que c'est les fausses photos. Mais la personne te fait croire que celui-là connaît ton identité, mais tu ne connais pas son identité. Un faux profil, un vrai faux profil, c'est un faux profil qui est anonyme, qui ne se dévoile pas. Quoi qu'il arrive, il reste dans son faux profil. Et je peux aussi dire que je vois les FP, les abeilles qui m'envoient la demande d'amis. Moi, je ne peux pas prendre vos demandes d'amis parce que je n'ai plus assez de place. J'ai beaucoup de considération pour vous, mais je n'accepte plus les amis. Surtout, je n'accepte pas les faux profils en amitié. C'est ça que vous devez savoir parce que je sais que vous êtes déjà en vrai profil avec moi. Maintenant, vous venez encore deuxième tout faux profil, c'est trop. Si j'en allais, je ne connais pas le... Je peux faire la Chine, la Thaïlande, la Chine. Non, je vais venir à Lyon, mais je ne pars qu'au garage, non. Je ne suis pas que dans le garage pour prendre la voiture. Tandis que la Chine... J'ai envie d'aller pisser. Je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup. On vous embrasse très fort. J'étais déjà prendre mon ticket de train. Je vais chercher mon ticket de train. Vous avez les sushis? Sushi à savoir. J'aime, mais pas tellement. J'aime bien les Nemo Corps. Bonjour, SVS Cosmétique. Demain, tu vas me tuner. Tu vas me coiffer demain, pardon. Je vais la mèche. Tu connais ma qualité, non? Maman, j'aime bien des frisages. Ça a arraché donc, maman. Je suis allée me défriser les fans. Le canard raqué, ben là j'ai pris mon canard raqué, il n'était pas terrible. Oui, bonjour. Le cantonais, je prends aussi. Il y en a un casino. Dans 20 minutes. Vous habitez loin, c'est ça? Non, j'habite dans le stade. Dans 20 minutes, tu seras disponible. D'accord? D'accord. Rappelle-moi. Rappelle-moi dans 15 minutes. Merci à toi. Bonjour à Patricia Mati. Que demain, on a l'anniversaire de Linda ensemble. Samedi. De toute façon, tu seras là. Maintenant, il n'y a plus rien, c'est fermé. Et bien, justement, dans la rue du marché, il y a deux Chinois. Il y a Chiquito. Donc, je vais partir. C'est juste à côté. Il y a l'office de touriste, c'est le bar, c'est à côté. Maintenant, il faut être fermé, ce bar. Ma faux, la pédophilie a pris la toile. Maman voulait qu'elle fasse quoi? Je ne parle pas des choses comme ça. Même quand on m'envoie, bébé, si tu finis ton direct, appelle-moi. Ok, donc la pédophilie a pris la toile, mais je ne parle pas des choses comme ça. Il y a des interdits en France. Quand tu reçois cette vidéo-là, il faut la supprimer. Il ne faut pas garder ça sur ton WhatsApp. Il y a un Camerounais, il risque la prison pour ça. Parce qu'on avait envoyé une vidéo, quand vous tournez toutes les vidéos sur WhatsApp, là, quand vous recevez les vidéos comme ça, il faut effacer ça. Sa femme l'a porté plainte pour les trucs de ménage. Quand la police est venue le chercher, on a pris son portable. On a vu la vidéo de petite fille qui bien faisait quoi avec la poupée là. Il va aller en prison là. Il voulait même intervenir dans le direct. Je connais bien ce monsieur. Je le vois souvent manger le tarot là-bas chez la matière du garde, la garde du Nord là. On aura le temps de parler de ça. Donc quand vous voyez les vidéos comme ça, et moi j'ai dit ne m'envoyez plus ce genre de vidéo, pardon. Vous savez, vous en Afrique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais en Europe, il y a la traçabilité. Si tu as une vidéo comme ça, dès que tu cliques sur ça pour regarder, ça dit où est-ce que tu as regardé la vidéo. En Europe, comme je suis assise là, je suis sur Facebook, on connaît déjà où je suis. Donc le système informatique connaît où je suis. Donc quand tu reçois une vidéo pédophile, quand tu cliques pour regarder, on connaît exactement où est-ce que tu te trouves. Je dis bien que tu connais, on connaît exactement où est-ce que tu es positionné en train de regarder cette vidéo-là.
Donc quand tu reçois une vidéo téléphone, ne clique même pas pour regarder. Tu supprimes. C'est très dangereux, c'est la prison. C'est la prison. Moi, quelqu'un m'a envoyé un truc comme ça. J'ai écrit pour dire que ne m'envoyez plus ce genre de choses. Moi, je suis quelqu'un de populaire. Et on ne sait jamais. Je vais être assise comme je suis assise. La police entre ici. On prend mon téléphone. On voit un truc comme ça dans mon WhatsApp là. On va dire, je vais justifier ça comment. Que pourquoi c'est resté. Parce que quand tu cliques pour regarder, on sait que tu as cliqué, tu as regardé. Faut pas cliquer sur les choses là. Même quand tu cliques, après tu supprimes. Faut pas garder ça. Faut faire très attention. Non, moi je parle de l'Europe, du Cameroun, vraiment, excusez-moi, mais je parle de ce qui est ici en Europe, que ces genres de vidéos, quand tu reçois, tu supprimes direct. Oui, tu supprimes et tu bloques même la personne qui t'envoie, parce que la personne peut encore t'envoyer les autres. Parce que quand tu regardes, ça veut dire que tu aimes. C'est que vous ne connaissez pas l'interprétation du blanc, c'est que quand tu regardes, tu cliques, tu regardes jusqu'à le début à la fin. Tu n'effaces pas, ça veut dire que tu aimes ça. Vous savez que tu es comme ça. Après, c'est à la carte. Tu vas aller pisser. Donc, on va faire des sandwichs. Ah, ouais, ouais. Et bah, ici, ils font des sandwichs. Ça va bien. Mais ils ouvrent. On va aux toilettes. Et que je baisse mon. Ouf. Maman, les toilettes sont. Excusez-moi, les toilettes, ils sont pas là? Non, elles sont à côté, là. Ah, je passe par là? Non, c'est dans le sandwich. Voilà. Ah oui, d'accord, merci. Ah, il faut ouvrir. Merci. Épice, hein. Attendez. Votre star. Même si épice, vous m'attendez. C'est bizarre, hein. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? J'arrive pas à ouvrir là, monsieur. N'arrive pas. Merci. Ah. Merci beaucoup. Il faut refermer. Ah, d'accord. On a les toilettes des boîtes, c'est propre jusqu'à. On voit la caméra là-bas devant, je pisse d'abord. Attendez-moi, votre star pisse. Ouais, yo, attendez. Votre star pisse. Maman, je vais laver mes fesses avec quoi maintenant? Maman, la casée que voit. Votre star pisse, elle ne pète pas. Mon ventre est pisse, maman. Et puis, elle ne pète pas. C'est ce qu'il y a parmi vous, ceux qui pissent, ils pètent. Maman. Ouais. Yeah, maintenant, elle va laver mes fesses avec toi. Attendez, quand tu pisses, si tu fais comme ça, non, tu prends le papier toilette, tu mouilles avec l'eau. Tu essuies tes fesses avec, non? Et comme ça. Tu mouilles comme ça. Tu essuies tes fesses avec. Hey! Moi, le blanc. Le blanc, c'est... On est bien marqué. Hey, tu essuies, tu mouilles le papier. Essuie avec. Tu vois, non. Maman, tu t'assois pas, tu te mets debout, maman, parce que la qualité comme tout le monde pisse ici. Maman, les blancs sont propres. C'est même pas le genre des noirs que tu arrives. Tu arrives le genre des noirs, les restaurants des noirs là, apprenant à laver les toilettes, trop sale. Tu entres dans un restaurant, ils sont là, ils sont trop sales. Mais quand tu entres au chalet, tu confirmes la propreté. Attendez, monte mon caleçon avec une main rouge. Ouf, maman, ça va. Je vais porter le calé. Calé, comme. Pas besoin de mouiller. Non, moi je mouille, pardon, parce que je veux que ça soit
que ça soit comme si j'ai, comme je pisse souvent, il lave mes vestes. Ouf, ma gote. Maman. Attendez. Hé, hey, maman, vous êtes faux, vous aimez le chapeau. Les détracteurs calculent seulement que. Diva Léonie, c'est rare ou non, bébé? C'est rare ou non, mon bébé? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu fais ça et tu laves les mains. Quand on pisse, on lave les mains. Hein. Comme vous les noix, quand vous pissez, est-ce que vous lavez les mains ou pas? C'est pas chic. C'est pas comme chic qu'on lave les mains. Même quand on pisse, on lave. Tu vas dire que c'est que je n'ai pas chier, je lave mes mains. Pourquoi? Non, ma peau. Et tu sais. Ça va pas, tu essuies sur ton habit. Maman, quand elle pisse, elle suit. Donc, quand j'essuie. Maman, attends, je sors. Maman, c'était ouvert. Hey. Maman, ça va. Maman, ma connexion de 10 euros que j'ai acheté, ça va finir. Pourquoi l'ombre à Kata fait quoi? Tata Yvette, tu me coiffes comment demain? Coiffe-moi comme ça. Fais-moi une perruque. Je m'en vais. Ampichonelas. Bonjour mon tonton. J'ai envie d'arriver au Viblos. Tonton Ampi. Bonjour. Tu es où? Attends, je vais sortir, je vais te montrer. Je suis dans le sud, voilà les bateaux, non? Je vais vous montrer les bateaux, je suis dans le sud. Je suis dans, je vais vous montrer les bateaux. Mon portefeuille. Je vais vous montrer, je suis dans le, je suis en Haute-Savoie. Maman, ce que j'ai bu là, c'est combien? On boit ses mains un peu. Vous m'en vais maintenant. Je m'en vais. Je vais vous montrer. J'ai fini mon verre, non, j'ai quand même payé. Je vais vous montrer le dehors. Je suis dans Haute-Savoie, je suis à Annecy. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci. Ma peau. Tu t'es lavé les mains, bien sûr. Et tu me fly. Arrête l'ombre à Kata. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Ah, mon souhait. Mon manteau. Mon écharpe. Oh, les roulements. Merci beaucoup. On va aller attendre le bus. Tenez-vous montre les bateaux. Je vous montre. Vous dites quoi là? Annecy, c'est une belle ville. Ouais. Tout le monde les bateaux. Regardez. Les bateaux. Maman, il faut investir. Oh. Ah, les vendeuses, elles n'ont même pas le capital. Ich. Les filles sans capital, je gère pas ça. Maman, les gens qui n'ont pas le capital, merci. Maman, pardon, laisse-moi traverser. C'est quoi? Avec ta petite voiture là. Maman, oh, voici ça. Voilà. Voilà, voilà. Où est ma batterie, oh maman? Hey. Voilà, voilà, les bateaux. Voilà, je vais prendre le bateau. Voilà le bateau, voilà les bateaux. Maman, je ne suis pas comme vous. Les filles sont en capital, maman. Elles n'ont pas le capital, mais elles veulent parler de la reine mère. Prenez vos 20 euros et 15 euros, vous laissez mon nom tranquille. On vous a dit que je suis comme vous. Quand tu mets les dos, tu as. Porte quoi? Mais parle qu'avec les gens qui ont les bateaux, ma chérie. Imbécile. Vous parlez au nom de qui? Hein? Maman, on peut me pousser dans... Regardez l'eau. Hey, pardon, avec... Maintenant, je m'en vais où là?
Je vous laisse. Voilà où je suis. C'est pas les pet-pets. Les pet-pets. Regardez où je suis. Je ne gère pas le vrac. Imbécile. Vous avez le capital. Vous parlez à qui? Vous avez le capital. Les filles sont capital. Vous allez parler à qui? Tu vois les prêteuses. Prête-moi, prête-moi, prête-moi. Hé, hey, maman, le bus, oh. Prête-moi, prête-moi, prête-moi. Regardez bien. Je ne suis pas dans ça. Vous parlez le nom de qui? De Fleur de Lille. C'est mon nom que vous parlez. Maman, une fille qui parle avec les vrais milliardaires. Moi, Fleur de Lille. Pas le bébé. Et je vais parler aux fausses copines. Quand il y aura encore une touche pas, ils ne vous appellent pas. Parce que vous avez des filles que quand on vous appelle pour une touche pas, pour venir trahir. J'ai appelé une là, je lui ai donné 600 euros pour une touche pas. Elle est partie me trahir à son mari. C'est tout vous qui venez là pour dire que ouais, la reine, mais pardon, aide-moi. On a fait une touche pas. La personne a donné les dos. C'était combien? C'était 1200 euros. 1200 euros, on a fait 2 heures de temps. Je lui ai donné 600 euros. Elle a pris l'argent, elle est partie dire à son mari que moi je vais l'entraîner à faire la pute. Vous avez vu comment les filles sont? Ne parlez plus mon nom, hein. Ou c'est le mari à son gigolo. Elle est partie dire à son gigolo que moi je vais l'entraîner à faire la pute. C'est moi qui prends le mangala et mets dans tes fesses, chienne. J'ai pris le pénis, j'ai mis dans tes fesses, chouane. C'est pas toi qui pleurais que tu n'as rien dans ton frigo, comment c'est chaud sur toi. Quand j'ai eu un business, t'as appelé que viens pointer. Tu pointes, tu prends mon nom, tu vas parler mon nom que je vais t'entraîner à faire la pute chienne. C'est moi qui prends ça et mets dans tes fesses. Tu vas me faire quoi? Le vieux là a fait quoi? Un vieux qui n'a même rien fait. Il n'a rien fait. Il ne bandait même pas. Pétasse. Elle prend. J'étais dit qu'elle essaie de le sucer. Tu pouvais. Chienne. Elle n'a quand même pas fait la fellation. Elle commence à le mordre. Il a dit que aïe, que tu ne le touches pas. J'ai fait le travail à ta place, pétasse. Elle ne pouvait pas. C'est moi qui ai même fini. Même comme ça, j'ai donné les 600 euros. Pétasse. Elle prend mon nom, elle n'a pas dit à son mari que oui, je vais l'entraîner avec la pute. Quand vous voulez acheter le mariage à vos hommes, arrêtez de mettre le nom de vos copines sur ça. Et pétasse. Quand tu prenais un sucre, tu me remerciais que, oh Flo, tu m'as sauvé. Grâce à toi, machin, tout ça là. Quand tu peux arranger ton mari avec ton gigolo, tu veux t'entraîner, chienne. Quand tu lui dis même ça, ça le choque. Parce qu'il sait que je vais t'aider. Tu me balances comme ça, ça le choque. Mais il fait semblant, pétasse. Chienne, va nique ta race. Tu as compris? Et Wanda, même les gens, hein. Si les gens viennent vous dire qu'aider, n'acceptez plus les filles. Les filles sont trop mauvaises. Quand elle te dit que tu l'aides, après, c'est elle qui prend ton nom pour aller faire le savoir, savoir, une fille bracata comme ça là, chouane, pétasse. Tu me niques là-bas, les gars, on te paye, on te donne quoi? Il peut t'acheter même, il peut te remplir le cahier de 50 euros à Lidl. Tu viens, je t'aide, tu as 600 euros en une heure que tu n'as rien fait. Tu n'étais même pas déshabillé le tout. Tu as seulement enlevé, même le soutien. Il te dit que, mais enlève ton soutien. Pourquoi tu laisses ton soutien? Je te donne 600 euros pour rien, chienne. Je te laisse, pétasse. Mon bus arrive à quelle heure? Chienne, le nique ta race. Tu vas encore venir. Pétasse. Eh, hey, fière de livre, aide-moi, non. Vous êtes tout comme ça. Pétasse. Bientôt, vous n'avez même plus me voir sur la toile. Chienne verte. Imbécile. Tu prends, même pour. Chienne, tu peux mettre une capote, chienne. Pétasse. Ça se voit qu'on te nique comme ça, là, sans capote. Tu peux enfiler un préservatif, chienne. J'ai tout appris. Elle te montre comment pour mettre le préservatif, tu massais d'abord avant d'enfiler. Chienne, tu ne peux même pas mettre un préservatif, pétasse. Une fellation, elle te dit que tu dois faire la fellation en macérant les couilles. Pétasse, tu ne sais pas macérer les couilles, chienne. Tu peux caresser les couilles d'un homme, pétasse. Vous les chiennes là, vous êtes toujours donné, j'ai le gars. Vous pouvez binder quoi avec le gars? Sale fille, comme un pétasse, je nique ta race.